Hey, salut à tous, ici Validbox, on se retrouve pour l'épisode numéro 10. Et vous savez, mince, pourquoi t'es à la base et tout? Alors, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert un autre endroit, et même j'ai 3 blocs de fer, j'ai 2 têtes de Wither Squelette. C'est qu'en fait, il y avait une forteresse du Nether. Donc j'ai fait un épisode dessus, que je ne publierai pas, parce qu'en fait, il est totalement pourri. Et j'ai compris qu'à la fin, que la forteresse du Nether était complètement useless, en fait. C'était juste pour aller récupérer des blocs de fer. Moi, je crois qu'il y avait une laine et tout, et en fait, non. J'étais allé au mauvais endroit, donc c'est pour ça que je suis obligé de revenir ici, parce que je n'ai plus du tout de stuff avec moi. Même par exemple, regardez, c'est des potions de résistance au feu. J'ai même perdu mon seau d'eau parce que sans faire exprès j'ai cliqué par terre, c'était pas une très bonne idée. Hop, ça on va pouvoir récupérer le casque, on va se recrafter un casque en fer tant qu'à faire. 5, tac, voilà, hop, parce que notre casque en diamant est presque mort. C'est triste, mais bon, c'est toujours mieux un casque en fer que rien du tout. Ensuite, j'ai pas mal de popos, ça c'est les pigmen quand on les a butés. Tac, tac, tac. Par contre, j'ai plus de flèches. Truc de fou, on en récupérera au fur et à mesure. J'espère en tout cas on en récupérera, parce que bon, ce serait quand même assez cool. Tac, 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 potion de régène, potion de heal, tac, tac, ça c'est le ce qu'on nous a passé. Il me refaut des torches, peut-être pas autant de stacks. Tac, hop, ça on s'en fout, on dépose. Est-ce que j'ai des sticks, de la bouffe aussi, tac, des sticks, hop, plus de bouffe. Des sticks, hop, on se refait des torches. Voilà, 4 stacks, ça devrait quand même le faire. Hop, hop, ça on s'en fout. Tac, on va peut-être pas tout garder sur nous. Voilà, là on est bien, on est presque full fer. Et allez, c'est reparti pour le Nether. Ça va, là on meurt plus, c'est tranquille. J'aimerais bien avoir plus de flèches, parce que dans le Nether il y a pas mal de blaze et de conneries comme ça. On est parti dans cette nouvelle zone. Tac, hop. On va direct au bon endroit. Ah, c'est vrai que j'ai plus de speed et tout. Ouais, bon, ça va. Allez. Bim. On récupère une potion de speed. Bon, c'est que du 20%. Mais c'est toujours ça de gagner. Je crois qu'il y avait un endroit où j'ai des flèches. Un arc. Pas de flèches. Pas de flèches non plus. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très, très, très... peut-être pas trop passer par là. Hop. Là j'ai récupéré l'épée tranche en 4, parce que je me suis dit en fait j'ai des tranches en 3. Donc ça veut dire que bientôt on me donnera du meilleur stuff encore. Donc tant qu'à faire j'utilise la tranche en 4 et on pourra la remplacer. On pourra la remplacer, surtout que c'est du T5, donc ça devrait durer assez longtemps. Et en gros moi je suis dans la forteresse du Nether, j'ai pas pris de bloc par contre avec moi. Un peu con. Un peu con. Un peu con. On va devoir en récupérer 2-3. Ça va prendre 3 secondes, on a une pioche en fer maintenant. Et ouais. Level 40 quand même, hein. Ça a pas fermé pour rien, hein. Oh, lol. C'est surtout les spawners qui donnent masse XP. C'est pour ça que ça spawnait encore des araignées. Hop, une vingtaine de blocs, ça devrait le faire. Et voilà. En gros, moi, j'étais sorti. C'était la dernière araignée que tu étais. Maintenant, ouais, ça one-shot les araignées aussi. Je sais pas pourquoi aussi, de temps en temps, il y a des zombies qui sont mad contre moi. Hop. Voilà, en gros, par là-bas, il y a une forteresse du Nether, et nous, ce qu'on veut, c'est aller en haut. C'est de monter, toujours. Hop, toujours plus, toujours monter plus. Hop, hop, et voilà. Elle est par là-bas, la forteresse du Nether, là-bas, on voit un petit arbre et tout. Je suis tombé, trop fort. Hop, allez, on monte. Hop, 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 hop. On peut monter par ici, je pense. Fais gaffe, parce que je pense qu'il y a des blazes et tout. Hop, c'est pas grave, ça nous fera plus de blocs ça. Par contre la bouffe, c'est abusé la bouffe. J'espère que vous voyez quelque chose. Parce que la dernière fois j'ai posé beaucoup dans la forteresse du Nether, parce qu'on voyait que dalle. Et en fin de compte, eh bien, ça m'a servi à rien. Hop. Voilà, là c'est par là que ça a l'air. Là bien, un spawner à ghast et tout. Est-ce qu'on y va? Non, on va se faire des boîtes si on y va. Ok, je vais devoir miner des blocs par contre. Oula, encore des ghasts, je veux dire. J'ai que 10 flèches par contre, hein. Oh. On entend des bruits qu'on n'aime pas. Ok. Ça va, on va pouvoir se cacher là-dedans. Lol. On est bien caché. Peut-être pas trop utiliser ma pioche quand j'en ai pas besoin. Hop, on va plutôt poser la terre. Hop, une petite torche pour vos petits yeux, parce que je suis en sneak, mais je suis un peu con. Oh, c'est pas un coffre ça? Ah non, c'est le... Comment s'appelle ça? Oula, bah ça c'est un spawner ça. Ok, sérieusement?
Il est mort en one shot. Voilà. Faut aller dedans, ces spawners, c'est un peu relou. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Ça a l'air d'être par ici, en tout cas. On n'a pas l'air de. Encore un spawner par ici. Il y a un ghast qui est en liberté. Hop, hop, hop. On remonte, on remonte. On... Toc, toc, toc. J'espère que ma pioche va tenir. Donc on va plutôt miner des. De la bouse en fait. Pour économiser un peu la pioche. Hop. On va essayer de pas frapper les pigmen. Même tout à l'heure dans le Nether, il y avait des pigmen qui étaient mad de base en fait. Genre, c'était relou parce que on était obligé de les taper. Et ceux qui étaient gentils avec nous, eh ben ils nous tapaient après aussi parce qu'on avait tapé ses potes. Donc, le truc est interminable. Donc voilà, en tout cas. Oula, Blaze. Je les one shot pas les Blaze par contre, hein, pas avec mon arc. Ok, on va essayer de l'esquiver plutôt. C'est un peu une technique de lâche. Mais on a pas beaucoup de flèches, nous. Ok. En fait, là, on est un peu en mode à l'arrache, on a rien pris avec nous. Voilà. Tac, 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 tac. On va monter en mode un peu YOLO. Voilà, on monte en mode YOLO. C'est ça qu'on aime dans les CTM. C'est de pouvoir passer n'importe comment. Bah, plutôt, on préfère quand même passer. Oh, il y a du bois même là. Ah ouais, ça a vraiment l'air d'être par là. J'étais, en fait, il y avait deux choix. C'était où je montais, où j'allais dans la forteresse du Nether. Mais pour moi, ça me paraissait plus logique que c'était dans la forteresse du Nether. La suite. Eh bien non! J'ai dû jump. Ah non. Pourquoi j'ai l'impression de sauter plus haut? Ça a l'air d'être par là, en tout cas. Bon, on va devoir casser du bois. C'est un peu chiant, je pense. Il y a des squelettes aussi. On a entendu des squelettes. Oh, le bois, ça va être ultra long, par contre. C'est du vrai bois, ça, ou c'est du faux bois? J'en sais rien, moi. Ça a l'air d'être par là. Ok. On va quand même casser là. À la main. Ou. Non, c'est bon. Dès qu'on aura assez de bois, on va pouvoir se faire une hache. Ok? Une hache et peut-être même encore une pioche, en fait. Comme ça réglera le problème. Si, si. C'est pas du. C'est des dalles. Ok, c'est des dalles. Dalles en bois. Elles sont buggées là, ces dalles. C'est mon pack de texture ou quoi? En plus, j'aime. C'est des dalles, c'est pour ça qu'on mettait autant de temps. Oh. Ah non, on est juste sorti. Ok. On entend des trucs cramer. On entend des pigmen se prendre des dommages. C'est quoi cette. Oula. Je sens que je vais devoir faire un bac, ça va vraiment être la merde si je vais faire un bac. Ah. Là, on a une ouverture à l'intérieur. Ok. Oh, masse fer. Putain, mais en fait, s'il servait vraiment à rien l'autre endroit. Les émeraudes, on va récupérer, on sait jamais. Des sticks. Ah là là, l'endroit où on avait. Les sticks, on récupère. Hein. L'endroit où on est allé chercher du fer, ça servit complètement à rien. C'est chiant, c'est chiant. On préfère rentrer par l'intérieur. Hein. Être plus safe par ici, je pense. Sauf que ça ne veut pas. Ça tire! Non. Il a tiré vers où? Là, il y a une échelle. Hop. On s'en fout de toi. On s'en fout. On s'en fout. Allez, monte. Hop. On sneak. Ok. Ninja. Wow, encore les araignées cheatées. Ultimate Lightbox Deluxe. C'est ça, c'est pour la lumière, je crois. Yep. Ça, j'aime bien ça. Ça éclaire bien ça. Là, il y a des blazes là-haut. Alors, on va juste prendre la potion de résistance au feu dans les mains. Mal placé. Ça va. Ça nous sert de bloc aussi, ça, en fait, hein. Il y avait un chemin par là? Non, il n'y a pas de chemin. Bizarre. Je pense qu'il y a le boss, hein, pas très loin. Il doit être que par ici, je pense. Ouais, une petite salle en homéopathie. Ça sent pas très très bon, là. Le truc m'a spawné dessus. Sérieusement. Il manque un tout petit peu de lumière, là. Ok. Là.
Je sneak. Ok. On va garder notre pioche que pour les spawners maintenant. Parce qu'à la main, c'est pas trop trop possible. Ok. 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 Est-ce qu'il n'y a pas des échelles? Ah, cool, il y a des échelles. Par contre, je dois casser ça. Vite, monte. C'est le bordel! Ça attaque! Je suis gentil, moi! Non! Ils vont pas être vénères contre moi! J'ai juste lancé une splash de heal! Je voulais vous soigner, mes amis les zombies! Bon, là, je suis obligé de casser un bloc. On avait dit qu'on économisait notre pioche. Ah, j'ai mis trop de temps à monter sur l'échelle. Ok. Ah, elle est là, l'échelle. Ok. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Merde, je me fais des boîtes. On se fait des boîtes là. Ah, j'arrive pas à aller sur le... J'arrive pas en fait, il y a les ghasts qui m'empêchent. Ok. Je voulais monter à l'échelle là-bas, on va pas trop pouvoir, ce que je vois. On va devoir passer en mode sneaky. Toi tu meurs parce que vous êtes méchant contre moi. On va devoir passer en mode... on passe par l'intérieur. On réfléchit pas. Mais ça use notre pioche. On aime pas. Ok. Là, il y a personne qui nous regarde. Tu ne regardes pas. Tu ne me regardes pas. Tu me regardes pas. Ok. Ok. Ça, la glowstone, j'aurais jamais pensé que ça résistait autant. Waouh! Waouh! On a enfermé de glowstone. Si ça, c'est pas beau. Enfoiré! Non! Ça va, ça m'a pas touché. Ça pète de je sais pas trop où. Oh, c'est nimp. Non! Putain, mais le mec il me snipe en 2 secondes là! C'est quoi ce mec? C'est un ghast, hein, mais bon. C'est un ghast, c'est pour ça. Tac, 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 tac. Et bim! On arrive à se protéger un peu. Voilà! On va casser ça à la pioche, toujours mieux. Hop, on arrive à passer, on arrive. On a utilisé un bleu, un stack quand même, hein. Un stack de glow. Sérieux toi? Sérieusement? Un creeper qui m'attend comme ça. Hop. Tu sais qu'il y a le psy par ici. Ok, on va se protéger. C'est comme vachement la merde par ici. Hein. J'aimerais bien des endroits un peu plus calmes la prochaine fois. Sérieusement. Quand je passerai mes prochaines vacances, je ferai gaffe. Hein, descriptif et tout. C'est tout ça parce que j'ai pas réussi à choper l'échelle de tout à l'heure. Hein. Faut bien se rappeler de ça. Hein. Voilà, moins un spawner. Ça fait plaisir. Ok, là-bas il y a un ghast encore. Nous on s'en fout, parce que... Je crois que j'étais full vie, mais bon, c'est... Panique. Ok, j'avais feu sous moi. Moins un. Voilà, ça pète encore. Ah, les ghasts. Ah si, j'ai des flèches. Je suis con, pourquoi je leur tire pas dessus? J'en ai... Merde. J'en ai 8. Ah ouais. C'est pas la folie non plus, hein. Par contre, toi... Non, ça... Ça a shooté ta boule. Voilà, t'es mort. Mais qui est-ce qui me tire encore dessus? Waouh, c'est un mec qui est plus bas. Bon, je suis avec mes talents d'archer aussi, ça va peut-être pas trop trop le faire.
Quand je dis talent, ça veut dire que je suis mauvais, hein. Voilà, c'est tout. Hop, on va monter en speed. Ah, on arrive déjà à un plafond en fait. Donc, je crois qu'on peut pas aller beaucoup plus haut que ça. Oh, ça a l'air d'être calme par là. Oh! Un bouton! Mais quel bouton! Putain, on en a chié pour aller là, hein. Tout ça parce qu'on a raté une échelle à un moment donné. Ok, et peut-être des trucs cool aussi là-dedans. Non? Ah, oh, puissance 3! Bah, j'avais déjà un puissance 3 solidité en fait. Mais il m'a juste donné deux stacks de flèches. Est-ce que ça descend? Bah, c'est là où j'ai raté mon échelle en fait. J'y étais presque, hein. C'est juste que j'ai raté une échelle et ça a pas arrêté de me spammer. De boulettes dessus. Bon, il y a un truc qui crame là, pas très loin. On va faire le boss. Allez. C'est quoi? Sérieux? C'est juste un ghast? C'est un ghast qui a spawn. Ouais, mais j'ai comment mes trucs, moi? Le mec, il est mort, mais... J'ai comment, là, les... Ça peut pas respawn? Ouais, mais c'était nul! C'était nul! Non, mais... What? C'est quoi ce boss de merde? Faut que j'aille en bas vérifier. Bon. 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 Il a juste dû tomber dans le vide. Ok. Donc, on va faire une petite coupure. Je vais essayer de trouver comment refaire le boss ou trouver tout simplement comment faire. Je vais regarder parce que c'est avec des camps de blocs et tout. Donc, on va voir si on peut pas refaire le boss. Allez, à tout à l'heure. À plus. Et donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à récupérer le commande bloc. Et oui, vous voyez que je suis mort deux fois. Bon, bah, une première fois parce que j'ai fait spawner le boss sur moi. Il m'a lancé deux boulettes et je suis mort. Parce que j'avais pas pensé qu'en fait, je pensais pas que le boss était aussi fort que ça. En fait, il est nul parce qu'il a pas de vie, mais il fait super mal. Et une deuxième fois parce que je me suis. J'ai fait la même chose et la même erreur, j'ai appuyé dessus. Donc là, le boss devrait spawn. Voilà, ça c'est le boss. Et cette fois-ci, on l'a fait spawner à un bon endroit. Bon, il a un peu glitché dans les blocs et tout ça. Tout ce que vous voulez, mais... What the fuck, man? Voilà. Moi, je suis désolé de le faire spawner juste à côté. J'espère juste les blocs de clay n'ont pas cramé encore. Non, ne me dites pas que... Nah! On va pas devoir encore le refaire. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis désolé de devoir le refaire spawner comme ça. Mais sinon, le truc spawnait au-dessus du vide. Et là, vous voyez, hein, c'est là où j'ai récupéré la commande. Le truc spawnait au-dessus du vide et c'était un peu chiant. Hop, voilà, c'est 4 flèches. 1, hein. 2, 3 et 4. Voilà, il a pas eu le temps. La clé, voilà, enfin! J'ai passé énormément de temps parce que j'ai dû me téléporter à l'endroit du fil. Et en fait, il y avait un bug dans sa machine à redstone qui. En fait, on pouvait pas relancer le boss. C'était un petit peu embêtant. Voilà, c'était aussi simple que ça. On pouvait pas relancer le boss. Donc c'est bon, on a eu l'argile. Donc voilà, c'est fait. On a eu cette putain d'argile. Par contre, le problème, c'est que je vois pas trop où est-ce que pourrait être la suite de la map. Donc j'irai voir ça sur internet. Pas s'inquiéter pour ça. En tout cas, on a eu enfin cette argile. Waouh! C'était compliqué pour moi. Parce que j'ai un peu galéré comme un porc à chercher les camps de blocs et tout. Mais c'était... Bon, je suis désolé, hein, j'ai dû me mettre en game mode et tout ça pour aller me téléporter à ces endroits où... Oh! On n'avait pas vu ça? Ranged 2. Très bien, mais on s'en fout en fait. Ah, on n'était pas passé par là! Intéressant! Bon, c'est pas grave, ça nous fera un stack en plus. Oh! Oh! Mais comment ça, je t'ai pas passé par ici? Il y a de la bouffe! Mais il y a de la putain de bouffe! Ah oui, là je récupère. Tes moutons. Le pain, c'est moins intéressant. Ça, c'est intéressant. Je récupère les trucs les plus nourritifs. Hein. Voilà, les trois trucs les plus nourritifs. Ok, on n'était pas passé par là. Moi, je voulais juste redescendre, en fait, au départ. On va essayer de pas mourir dans la descente, en fait. Je t'ai passé commande tout à l'heure. Fuck. One shot? What? Two shot. Comment est-ce qu'on descend, maintenant? Ah, on n'était pas passé par le même chemin, hein, c'est pour ça, on était passé par ici. Ok, bah cool, de la bouffe. De la bouffe gratos. Oh, un spawner, on l'avait pas vu celui-là. On peut le casser, mais bon, ça sert à rien. Parce que nous, on veut juste se barrer d'ici.
Ouais, c'est un peu chiant parce que je suis obligé de faire des recherches, je suis obligé de faire des trucs un peu chiant comme ça, de par exemple pour récupérer le command block. Ça casse un peu toute l'ambiance de la map, je trouve. En tout cas pour moi. Donc pour vous, j'espère que ça vous embête pas trop bah voilà, je suis obligé de me barrer, aller faire autre chose. The Haunted Austrios. Ok. Hop. Oh, il aurait pu me faire tomber cet enfoiré. Comment on va descendre? Comment on va descendre? Il n'y avait pas un bouton pour descendre? Parce que là, c'est la grande question, hein. Comment je descends de là? Ok. Il y a un truc qui prend feu. Là, je peux descendre par là. Hop. Voilà. Là, on va descendre par là. Comme ceci. Deux. Hop. Un, deux. Je suis obligé de descendre à la pioche, mais... Wow. Là, je peux descendre tranquille. LOL! Je comprends pourquoi il y a des spawners, on savait pas où est-ce qu'ils étaient. Ça, on peut casser à la main. Bim! Non, me spawnez pas dessus, s'il vous plaît. Ça spawn. Là, j'entends des mobs de partout. On peut casser un bloc. On va en recasser un. Et là, on doit rentrer. Voilà. Ah non, j'aurais pu en casser un de plus, limite. Là, la piège va lâcher. Ok. Là, si je saute d'ici, je meurs, je pense. Je meurs peut-être pas, mais je prends cher. Un ghast qui a spawn. On va casser le spawner. Je le vois pas bien, donc je préfère me casser d'ici en fait. C'est plus intéressant. Ok. Là, je meurs si je tombe d'ici. Ok, il manque des blocs. Des blocs, des blocs, des blocs. Vite, de la bouse. Intéressant. Ok! On y arrive! Wow! Ah, c'était chaud là. Oh, la descente qui fait flipper! Genre, vous pouvez tomber dans le vide 5 fois n'importe comment. Ok, faudrait juste que j'essaie de retrouver l'endroit pour entrer. Voilà, c'est par là. Ok. Voilà. On rééclaire parce que c'était pas bien éclairé. Wow! Ok! Voilà! Spider-Man. On va devoir se recrafter une pioche en plus chez nous, dès qu'on arrivera à la base. Ok, voilà, on va faire un petit bac. Je suis quand même content parce que j'ai réussi à refaire le boss, la récupérer. Sinon j'aurais dû me give en fait les laines, mais ça aurait été un peu chiant. Parce qu'en fait, ça tombait dans le vide. Vous voulez faire quoi? Ça se suicide. Donc je pense que la suite, c'est peut-être là-dedans, en fait. Ça doit être là-dedans. Va falloir continuer. Ça va être chiant. Cette zone est chiante. Surtout que j'ai perdu mon seau d'eau, donc je vais devoir aller me chercher de l'eau encore. Ok. Ok. Voilà. Encore une araignée, mais c'est une araignée normale, donc on s'en fout un peu. Hop. Ah, là-bas, c'était pas bien éclairé. Ça a dû me... Coucou l'araignée, tranquille. J'espère que ça va bien chez toi. On éclaire un peu parce que je pense qu'on va repasser par ici. Je vois que c'est pour moi c'est le seul chemin hein, viable par ici. J'ai à appuyer mais ça n'a aucun intérêt. Hop 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 hop, Prismarine, on a déjà fait, on a déjà donné. Même speed, même. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et voilà. Argile durcie claire. Grey clay. Argile durcie grise. Grey, c'est gris, je pense. Et LI, j'ai acheté grey. Light grey clay. C'est la. Argile durcie. Gris clair, merde! Grey clay. Non, c'est pas la bonne alors. Ouais, c'est la claire. Voilà. Donc on en a manqué une. C'est bien ce que je pensais. Bon, même si cet épisode va être un peu plus court, comme j'ai passé beaucoup plus de temps à le tourner, bah je vais le finir ici. Et donc je vais essayer de chercher les informations pour la suite de la map. Donc salut à tous, j'espère que ça vous a plu. C'était Validox, à plus. Allez.